Hey gang, it's Jessica Humphreys from Energy Optimal Health. Jessica Humphreys de Énergie Santé Optimale. Here's your Energy Fit workout for the day. It's going to be working the pecs, your triceps, and your back. So I'm in Tremblant today. As much as I want to be in nature and find calm and peace today, that behind us, what you can hear, it's not a big beehive. It's actually the circuit Mont-Tremblant. So you're actually probably going to be hearing the cars going around, but hey, that's what I could find today. All right, so let's start. Feet firmly placed in the ground. We're going to start with nice big arm circles towards the front. Taking nice deep breaths. Today I decided to walk barefoot, okay, because I already did my cardio. So today, since it's an arm workout, you don't have to wear shoes if you don't want to. Your workout can be done indoors or outdoors. All right, let's have rotation towards the back. And yes, there's still construction behind us in the front. So since these are my test videos, I'm still going with it. But in the future, I'm going to be finding some nice peaceful places in Laurentians to offer you awesome Energy Fit videos. Okay, so with the feet firmly placed in the ground, lift one hand up towards the sky, one towards the floor. Like you want to touch the sky and the floor at the same time. Breathe and switch. Being conscious of our breath. One more time either side. And switch. Super. Là, on va réchauffer les triceps. Alors avec ce mouvement ici, on vient toucher le centre de notre dos. Vraiment hop et touche le centre de notre dos. Hop, on touche le centre de notre dos. 3, 2, et 1. Là, pour ouvrir la cage thoracique et réchauffer le dos, en avant et on ouvre. En avant et on ouvre. Pour 3, 2, et 1. OK, on va faire un petit peu pour le haut du corps. On va juste faire des torsions. En bas, on monte sur un de nos pieds. On peut regarder par-dessus une de nos épaules. Trois, deux, et un. Alors maintenant, je vais expliquer l'entraînement qu'on va le faire. Ça va être un entraînement en circuit. Il va y avoir quatre exercices. Je vais montrer un exercice en charge de notre corps et aussi je vais montrer un alternative avec une bande d'élastique. Alors pour nos entraînements, c'est important d'avoir une bande de résistance que vous pouvez acheter à des magasins de sport. Alors comme ça, si vous avez besoin de l'alternative et des fois en nature, j'utilise ça pour travailler différents muscles. En même temps que moi, je vous montre les exercices, commencez un jogging sur place. Prenez des grandes respirations. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez faire 10 squats. Ensuite, 10 jogging sur place. 10 squats, 10 jogging sur place, jusqu'à temps que je finis de vous montrer les exercices. Alors, les quatre exercices, numéro 1, qui va travailler le devant des épaules et les pectoraux, et un petit peu les triceps, ça va être les push-ups. Ça va être un push-up incliné. Alors, soit vous avez besoin d'une table de pique-nique, une chaise, un banc poussé contre le mur. Vous pouvez aussi le faire sur votre lit si c'est poussé contre le mur. Alors, mains larges, un petit peu plus larges que les épaules. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne posture. On allonge de la tête jusqu'au talon. On contracte les muscles de nos abdominaux, comme s'il y a une corde du nombril qui tire vers la colonne vertébrale. Et on descend. Et on pousse, on remonte. On ne veut pas bloquer les coudes à la fin. On va faire 10 répétitions des push-ups. On peut faire un petit peu plus au banc. Et un petit peu plus au sol. Au sol, on peut aussi mettre les genoux au sol et faire des demi-push-ups comme ça. Si jamais vous avez mal à une épaule, vous avez besoin d'une alternative, mettez l'élastique autour d'un poteau. Une jambe en avant de l'autre, on contracte les abdominaux et on pousse vers l'avant et on ramène. Expire, inspire.
Deuxième exercice, travailler les triceps. On va faire des tricep dips. Encore besoin d'un banc. Ça peut être sur des escaliers, ça peut être un banc contre le mur, table de pique-nique. Les mains sont proches de nos fessiers. On recule les épaules. Intensité numéro 1, jambe 90 degrés. On descend comme si on a une petite étiquette dans les pantalons. On veut le frôler en descendant et en remontant. Inspire, descend. Expire, remonte. Si on en veut plus, on allonge les jambes, recule les épaules. On reste encore près de notre banc. Alternative pour celle-là, avec l'élastique autour du poteau. Une jambe en avant de l'autre. Contracte bien les abdominaux. Coup de rentrée. Paume vers le sol, on fait une extension des avant-bras et on plie. Extension. Ça, c'est l'alternative. On va faire 10 répétitions. Ensuite, pour travailler un petit peu plus devant les épaules, et oui, pour retravailler les triceps, on va faire ce qu'on appelle un diamond push-up. Les mains sont plus rapprochées. Alors, très proches. Les coudes vont frôler les côtes. Continuez les squats et le jogging, hein? Réchauffez-vous. Alors, belle ligne encore avec le corps. Descends, remonte. Descends, remonte. Ça, ça va bien travailler les triceps. On peut aussi le faire plus bas. Mais c'est important de garder la belle ligne avec le corps. Descends, remonte. OK? Et le dernier, celui-là, avec une bande élastique. On l'enroule dans les mains, comme ça. On commence en haut. Et on tire et on squeeze les omoplates en arrière. Hop! Et on squeeze les omoplates en arrière. Ça, ça va venir travailler le dos. Alors, si jamais vous avez une barre pour faire des pull-ups, vous pouvez faire ça aussi en même temps. Alors, est-ce qu'on est prêt? Vous êtes bien réchauffé? On va faire 10 répétitions de chaque et on va le faire 5 fois. Je suis là avec vous. I'm there with you. All right. Position de push-up. If I go faster than you, that's okay. If you go faster than me, that's okay as well. If you look up on the screen, you're going to see what exercises are there, how many repetitions, and let's do this together. All right, ready, set, let's go. Un, deux, trois, quatre. On est capable. Cinq. 6. Oh non, excuse-moi, j'ai dépassé, c'est juste... Non, excuse-moi. 7. 8. 9. Et 10. Une chance que c'est des tests, hein? Alors, on va faire les triceps. 10 répétitions. C'est parti! 1. Expire en montant. 2. 3. On est capable. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. OK, les diamond push-up. Mains très proches. Belle ligne avec le corps. C'est parti. Les coudes frôlent le corps. Contracte les abdominaux. 3, 4, 5, 6. On est capable. 7, 8, 9, 10. OK, avec le dos, avec notre bande élastique ou sinon avec votre barre, on l'enroule, bras au-dessus de la tête, squeeze les omoplates en arrière. 1, 2, ça va aussi travailler les biceps. 3, 4, 5, ça va bien la gang? On est capable. 6, 7, 8, 9 et 10. OK, on prend une petite pause si vous avez soif. Vous pouvez juste relâcher un petit peu comme ça le cou, les bras. Alors, vous pouvez prendre comme un 30 secondes à 45 secondes. Vous pouvez aussi faire quelques mouvements comme ça. En tout temps, on respecte nos limites.
c'est 10, c'est trop pour vous, vous pouvez faire 5 à 6. Okay? C'est vraiment un entraînement à votre rythme et je suis ici pour vous accompagner. All right, on est rendu deuxième round. Let's go, we can do this. A push-up. All right, 10. So you can either be on the table, on the bench, or on the ground. You choose what's best for you. All right, here we go. 1, 2, keeping a solid core. 3, 4, 5, 6, keep it up, 7, we can do this, 8, 9, and 10, all right, it gets easier as you go, we're warming up our muscles, all right, here we go, tricep dips, keep those hands nice and close to your bum, okay, you're either on a bench or you're on a chair, 90 degrees, or bring those legs out, roll the shoulders back, let's go down, up. Make sure not to block your elbows when you come up. 3, 4, we could do this. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, diamond push-ups. Up, 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 up. Keep those nice hands in nice and close. Engage the core. All right, these ones are tough. We can do it. Let's do this together. 1, lengthen. 2, lengthen that neck, the head. 3, 4, 5. Breathe out as you come up. 6, keep it going. 7, 8, 9, and 10. You're doing awesome. Let's go, let's go, let's go. We're almost finished round 2. All right, bring this in. I'm already feeling it. It's good. All right, here we go. 1, squeezing the shoulder blades together. 2, breathing out as we come down. 3, 4, keep smiling, you can do it. 5, 6, 7, 8. 9, one more, 10. Okay, that can really work the biceps if you're not squeezing those shoulder blades, like as if you want to bring them together in the back. Okay, so if you're just feeling it in the bicep, make sure you're bringing it into the back, all right? All right, are you ready? Troisième, on est capable. You could do this, even though I'm not there with you. I'm watching you. You could do this, let's go. Round 3, push-ups. 1, 2, engage the core. 3, 4, 5, on est capable. 6, oh no, no, now 6. 7, 8, 9, and 10. Okay, this is gonna give you the arms that you really want. All right, here we go, tricep dips. Roll the shoulders back. What I want is really quality versus quantity of the move. Okay, if you're already in the fourth round, that's okay. Keep it up. Keep going. All right, let's go. 1, 2, 3. Engage the core as well. 4. Breathe out as you come up. 5, 6. If you need to take a break, that's okay. 7, 8, 9. And 10, you got this. You need a strong core, okay? So you need to be making sure you're contracting your abdominal muscles. And don't forget, you can always use your elastic band for all the exercises, and you can alternate. All right, diamond push-ups. Let's go. Mais prêt. Don't worry, I feel it as well. Let's do this together. Prêt. Et go. 1, 2, vraiment allonge de la tête jusqu'au talon. 3, expire en montant. 4, 5, on est capable. 6, 7, la table squeak un petit peu. 8, 9, et 10. Woo! Let's go, on prend l'élastique. Hop, 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 la gang.
pas grave. Ça me donne une petite pause, OK? N'oublie pas, on squeeze les omoplates en arrière. Pour 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gardez le sourire, et 10. On est capable. Si vous êtes nouveau à ça, et ça c'était correct, 3 répétitions, c'est correct. Applaudis. Sinon, continue avec moi pour 2 autres répétitions. On va juste faire quelques rotations des bras vers l'avant. On prend une petite pause. On le mérite. On ne veut pas se blesser. Alors, pour vous, si 3 tours de ça, c'est parfait. Sinon, on continue pour le 4e et le 5e ensemble. Rotation des bras vers l'arrière. On prend des grandes respirations. On touche ici et hop. Moi, je pense que je vais avoir mal en lavant mes cheveux ce soir, en mettant mes bras comme ça. Mais c'est bon. On est capable. 3, 2, un dernier et hop. Are we ready? Round 4. We can do this. If you need to take a break for this round, do 10 squats, 10 jog on the spot while we're doing round 4. If not, let's get into this. Wide hands, ready, and go. 10 repetitions. Nice, long spine. 1, 2, breathe out as you come up. 3, we've got this. 4, got my friend Gemma, who's my favorite videographer with me. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Think about it, there's only 10 more push-ups after that. All right, let's get into those tricep dips. Engage the core. Okay, so it's easy. The tricep dip is an easy muscle to pull if it's not super strong, so make sure you're engaging the core. All right, roll those shoulders back. Nice long spine, head all the way to the tailbone. All right, let's drop our bums. 1, 2, coming. Those diamond push-ups. We've got this. I've got your fit. Ready? Hands nice and close. Okay. If you need to have a little bit more of a position that's less intensity, bend the knees. So you're like more in like a little bit of a table position. So now what you're doing is you're just lifting the upper body and not your legs as much. I'll do this one with you. 3, 4, 5, 6, 7, keep it up, 8, 9, 10, this is one squeaky picnic table, needs a little loving, I need to put a little oil in it, all right, et on termine, 4e round, avec le dos, let's go, on est capable, pieds bien ancrés au sol, on contracte les abdominaux, les genoux légèrement fléchis, hop, on tire. Expire. 2. 3. On est capable. 4. 5. 6. 7. Go. 8. 9. Et 10. Et entendez-vous ça? C'est comme calme. Yes! J'aime ça, la tranquillité. Excellent, la gang. On prend une petite pause, une petite gorgée d'eau. Il reste une autre série de 10 répétitions chaque. Après ça, on va faire un étirement pour le haut du corps. On est capable. Aussi, il faut penser, comment est-ce que vous vous parlez? Est-ce que c'est un discours qui est négatif et que c'est « Ah, oh, c'est tough. Ah, oh, je suis pas bon, je suis pas bonne. Ah, oh, je suis pas capable. » OK? Alors, parce que c'est ça qui va arriver. Alors, essayez de quand vous dites quelque chose qui est plus négatif, essayez de vous rattraper, puis c'est correct. C'est juste au moins d'être conscient
qu'on s'attrape dans ces moments-là. Et ensuite, avoir un discours qui est un petit peu plus positif. Je suis bon, je suis bonne, je suis capable, je suis en train de faire l'exercice. Let's go, je suis capable. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie quand on se parle comme plus positif que versus le négatif. Ça, c'est pas juste dans l'entraînement non plus, ça, c'est dans notre vie au quotidien. Alors, je vous lance ça, le défi pour la prochaine semaine, c'est d'être conscient de comment vous vous parliez. Alright? Alors, ça vous a donné assez de temps pour avoir une bonne petite pause. Let's go, last round. 10 push-ups. Ready? I am. Let's do it. 1. 2. 3, c'est ça, de pique-nique me fait rien. 4, c'est ça. 5. 6. 7. 8. 9. It's this. Woo! Tricep dip. Recule les épaules. Je suis bon, je suis bonne, je suis capable, je suis belle. All right, c'est ça que vous êtes en train de vous dire, hein? Peut-être pas belle si vous êtes un homme. All right, go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui est important, c'est pousser égal dans les deux bras. Des fois, quand on commence à être fatigué, on pousse plus dans notre bras qui est plus fort. OK, diamond push-ups. Pensez abdominaux, corps du nombril qui tire vers la colonne vertébrale. Okay, aussi, contracte un petit peu les muscles dans les fessiers. Mains très rapprochées. We've got this. Let's do it. 1. 2. Allonge le cou. 3. 4. Ou comme ça. 5. 6. Ou plus bas. 7. 8. 9. Et 10. Nice. Et on finit avec le dos. 10 répétitions. On commence en haut. On tire vers la poitrine. 1. 2. 3. 4. 5. Go, 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 go. 6. 7. Gardez le sourire. 8, 9 et 10. Wouh! Je vous donne un high five virtuel. Bravo! On a bien fait ça. Excellent. Alors, les pieds bien ancrés au sol. Les paumes vers l'avant. On va prendre quelques grandes respirations. On peut fermer les yeux. On se félicite. On sent ça que ça a bien travaillé dans les épaules, dans le dos, dans les triceps. OK. Alors, on ouvre les paumes, on ouvre avec les paumes vers le haut et ensuite, paumes vers le bas. Ça va aller chercher un petit peu dans les épaules et aussi dans le biceps. Pompe vers le haut, ouvre la cage thoracique, allonge la tête jusqu'au talon, pompe vers le bas. Et une autre fois, hop, et vers le bas. OK, on relâche. Avec les deux mains, hop, 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 on glisse. Oh! C'est tough ça! Les bras sont fatigués. Et on relâche. Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours pousser comme ça, OK, si la mobilité ne vous convient pas. All right? Hop, 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 hop! Ouh, ça y fait! Je vais être fatiguée ce soir. Vous autres aussi, c'est bon. Et on relâche. Deux autres fois. Hop, 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 hop! Et on relâche. Et une autre fois. Hop, 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 hop! Et on relâche. Là, on va juste aller faire des croisements comme ça. On change toujours le bras qui est au-dessus. D'autres bruits, des nouveaux bruits. Construction là-bas. Donc, vous trouvez des spots un petit peu plus paisibles la semaine prochaine. Excellent. Là, prenez le bras, pompe vers le haut, on le croise devant nous.
Comme ça, on vient chercher ici dans l'épaule. On respire. Oh, la tranquillité de la nature. Et on relâche. Et l'autre bras. C'est ça des tests. 3, 2 et 1. Et on relâche. C'est normal que vous sentez que les bras sont lourds. Oh, on relâche le cou aussi. On inspire. Hop, 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 hop. Expire. Et on s'applaudit. Félicitations. Vous avez bien fait votre exercice. Je suis contente que vous avez resté avec moi la durée de l'entraînement. Alors, les deux prochains entraînements, il va y avoir un pour les cuisses et l'autre, ça va être pour les abdominaux et le dos. Alors, au plaisir de vous aider à optimiser votre santé.